Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Stéphane, très content de vous retrouver pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous livrer 5 astuces sous iOS 10. C'est parti! Donc les amis, comme je vous le disais, 5 astuces sous iOS 10. La première que j'adore tout particulièrement, enfin entre autres, c'est qu'on peut maintenant supprimer les applications Apple. Alors certes, on ne peut pas supprimer les applications totalement. Là, si je prends les trois applications Apple qui sont installées nativement, Plan, Boussole, Watch, pour les supprimer, on fait comme d'habitude un petit appui dessus pour que la petite croix apparaisse. On supprime par exemple l'application Boussole, vous voyez, supprimer. La suppression de cette app de l'écran d'accueil entraînera aussi vos données Boussole. Ça fait rien, vous faites supprimer. Donc là, l'application Boussole est supprimée. Mais attention, elle n'est pas totalement supprimée de l'iPhone. Elle est simplement, je dirais, mise en veille. Si vous voulez la récupérer, vous allez dans l'App Store ici. Dans la recherche, vous faites Boussole. Et donc, vous voyez, il me la repropose directement là. Il suffit que je la réintègre. Et voilà, elle est réintégrée dans le téléphone. Et je la retrouve ici. Mon application Boussole que je peux revenir chercher comme ça et puis remettre tout simplement dans mon dossier. Et donc la revoilà ici. Un nouveau truc les amis dans iOS 10, c'est dans l'application Notes. Si j'ouvre application Notes, j'ai ouvert au préalable une note. Vous voyez ici ce petit bouton là, un petit gugus avec un plus. En fait, c'est quoi? Quand on appuie dessus, voilà. Il vous dit ajouter des personnes. Ajouter des personnes à cette note, elles verront toutes les dernières modifications et elles pourront aussi les modifier. Donc vous pouvez inviter la personne ou les personnes de votre choix par message, par mail, par Twitter, Facebook ou copier un lien et l'envoyer par je ne sais pas autre quel moyen. Mais en tous les cas, une fois que vous les aurez invitées et qu'elles auront accepté votre invitation, elles pourront aussi accéder à cette note et puis la modifier à leur gré. Notre astuce, les amis, sous iOS 10, alors c'est avec l'application photo. Donc dans l'application photo, les amis, voilà, au préalable j'ai ouvert une photo. Si je veux apporter des modifications sur la photo, mais sans les modifications qu'on connaît jusqu'alors, mais on va un peu plus loin, dans le petit rond qui est là avec les trois petits points au milieu là, je clique dessus. Vous avez cette fenêtre qui apparaît, il y a make-up, vous cliquez sur make-up et là vous voyez, vous avez une palette de couleurs qui apparaît. Alors par exemple, je vais prendre le rouge. Je peux, si je le veux, dessiner une flèche, je peux faire une croix, enfin bref, vous l'aurez compris, vous faites ce que vous voulez. Si je veux zoomer sur une partie de la photo, ici j'ai une loupe, je viens, la loupe apparaît, je viens ici, et puis là je me trimballe sur la photo, et si je veux zoomer sur mon super dessin, je peux même agrandir la loupe comme ça, et puis voilà, je zoome sur mon dessin, ou n'importe où ailleurs sur la photo, on peut zoomer comme on veut. Si je veux rajouter du texte, je peux rajouter du texte ici. J'ai le texte qui est ici. Là, vous voyez, j'ai le texte. Alors, on peut évidemment changer la police avec le petit raccourci qu'on a ici. Donc, voilà, je change la police. Je change la typologie de police. Je change la taille de la police. Et puis, comme un petit traitement de texte, si je veux mettre le texte à gauche, centré, etc., je peux le faire aussi. Voilà, et si vous voulez revenir en arrière, c'est simple. Vous cliquez sur la flèche en bas. Et en fait, il annule ce que vous avez fait précédemment. Donc voilà les amis, pour l'application photo, je pense que ça, pour personnaliser ses photos, c'est vraiment top. Donc les amis, une dernière fonctionnalité, mais ça c'est pour les possesseurs d'iPhone 6S, 6S Plus et les heureux possesseurs d'iPhone 7. Vous venez dans le centre de contrôle ici, voilà. Vous voyez ici la lampe, le chrono, la calculette, l'appareil photo. Et bien ces raccourcis-là ont bénéficié d'une fonctionnalité 3D Touch. Par exemple la lampe. Il me propose trois éclairages possibles, vif, moyen et faible. Par exemple, le minuteur, voilà, je peux directement aller vers des pré-réglages, 1 minute, 5 minutes, 20 minutes, 1 heure. Je peux évidemment aussi aller à la calculette, mais là, bon, juste, c'est le dernier résultat, c'est pas grand-chose, mais si on a besoin de s'en souvenir rapidement, eh ben, à savoir que c'est là. Et l'appareil photo, c'est pareil. Si je fais une pression 3D touch dessus, je peux prendre une photo, enregistrer un ralenti, enregistrer une vidéo ou prendre un selfie. Donc voilà. C'est quelque chose d'assez intéressant quand on a la fonctionnalité 3D Touch. Alors, autre chose de la fonctionnalité 3D Touch, là, quand on reçoit une notification d'une application qui est dans un dossier,
Si j'ai pas envie d'ouvrir le dossier, mais que j'ai envie de voir directement quelle application concernée par la notif, je viens faire un geste 3D Touch sur mon dossier. Je vois que j'ai une pastille 5 pour l'Apple Store. Et là, en fait, il me propose tout simplement 5 mises à jour. Donc, ça fonctionne avec n'importe quelle application qui propose des notifications. Voilà les amis, j'espère que ces 5 trucs et astuces sous iOS 10 vous serviront. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, allez-y. Tous les liens de mes différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, évidemment la chaîne YouTube, sont en dessous de cette vidéo dans la description. En attendant les amis, moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses à vous. Salut !